Merci pour garder ce rendez-vous avec l'équipe Sport SBC. Basketball, il prend un bon commencement pour l'équipe Cécélois de première la journée, tournoi champion de club l'Océan Indien qui peut faire Madagascar. Après défaite 17-100 pour Beach Challenge, vice-champion Cécile pour Banzom, premier Cobras aussi, qui perdit son premier match hier au score 78-84 contre un club malgassin. Entre-temps, Beauvalon Heat l'y pesait son premier match la soir contre un autre club malgassin. Dans le football, Northern Dynamo peut à présent target fait un doublé sa saison après qu'ils ont remporté leur premier titre la Coupe Airtel hier. Dans la finale contre Saint-Louis, Northern Dynamo a score deux fois dans les premières 28 minutes pour battre Saint-Louis d'Eloen pour venir un nouveau champion sa tournoi. Sa résultat aussi permet à l'équipe Normae qualifiée pour compétition régionale l'Océan Indien, l'UFRA. Ministre pour Sports, Mitsilari, qui rencontre les deux équipes avant le match commencé. Zis pour rappel qui Saint-Louis a fait tomber Red Star pour arriver dans la finale. Tandis que Northern Dynamo zotin élimine l'équipe d'Igua en se réunion. Mais Dynamo qui est underdog pour sa finale la Coupe Airtel, qui commence très bien. Seulement 6 minutes chassées pour autres amène danser devant goal Saint-Louis. Zoé Malgas, Radio Manana, le Safrikik, y bat goalkeeper Michel. Pour l'ouverture score sa rencontre, Dynamo y prend l'avance 1 goal le 0. Sa l'équipe basée Glacy est meilleure dans sa première moitié avec de la pose très offensive contre Saint-Louis et dans la 12e minute, Radio Manana tire un deuxième sens personnel. Zotti exploite la défense adversaire assez souvent et dans la 28e minute, l'air qui Saint-Louis perd du possession milieu terrain, attaquant Gambien Moussa, Ndji y centré pour Wesley Esther faire score 2-0 pour Dynamo. Qui s'y m'a sa stase, t'in s'y pour l'entourage Saint-Louis. Mais ça l'équipe en blanc, t'y pour répondre 4 minutes plus tard, l'air qui attaque un Nigérian Kazim, y persiste d'un carré, et après, gagne metate par Warren Melly, refuse Emile Fred, t'y donne un penalty Saint-Louis, et là, c'est Zoé Malgas Tahiri qui servit ça pour battre goalkeeper Ricky Poul pour première fois pour réduire score NLOD. Après ça, Saint-Louis, tu sais tout ça qu'ils ont capable pour sa goal égalisation, mais défense Dynamo qui reste très organisé et si tu ne devrais être vini, tu au moins l'offre qui grand distance Bertrand Esther qui shot 10 à côté. Score halftime, tu dans l'avantage Dynamo. Bonnet dans deuxième la moitié, Saint-Louis emmène pas mal dans devant goal d'Orton Dynamo et c'était goalkeeper Poul qui t'y pesait un rôle mazé pour garder l'avantage sur l'équipe. Après ça, dans dixième minute, sa deuxième la moitié, Kazim y centré de placer lui-même encore goalkeeper Poul qui excellent dans goal. Zot ti kontien met pression 6 minutes plus tard, les laisser Kazim y gagne sauvé par goalkeeper Poul, mais le rebound Jeve Wahive ti devrait faire compter, il rate son laisser complètement. Saint-Louis ti pli dominant, mais zot pas capable de concrétiser zot ban l'opportunité, le cross Tahiri, goalkeeper ti li sa haine bien même. En un bon plus bon sens Saint-Louis pour égaliser, tu devrais ici, le free kick Travis Lawrence bien levé, Wahive, il rate son laisser la tête encore une fois. Tu n'as pas encore goal sorti contre de l'équipe dans sa rencontre qui fait Northern Dynamo bat Saint-Louis des goals loin pour venir nouveau champion compétition la Coupe Intel et fait première fois qu'ils ont remporté un tel titre. Ça y est aussi premier titre Mazek et Northern Dynamo y remporté dans le football Cécile. Votre premier titre de 3 finales. Mon petit, j'ai perdu encore la coupe. Mon maître, le PFC, c'est le Wabouji. Mon petit, mini, mon petit, j'ai perdu aucun la coupe encore. Oui, doublé là, oui, nous finissons qu'à passer le premier tour. Nous sommes dans la 16e finale. Encore un doublé, oui, à cause non. Et qui en a un petit peu pour dire en gros, l'état où Game Dynamo, vous avez remporté ça match de premier 28 minutes. Oui, nous sommes sortis tout pour nous placer Saint-Louis Bonnet, pour nous faire des goals, mais nous tactiques qui massé. Nous avons des goals, mais malheureusement, Saint-Louis nous a gagné, nous continuons les pénalty qui bête. Zoé Northern Dynamo attaquant Gambien, Moussa Ndji, qui gagne prix pour meilleur joueur sa match final. Non, mauvais content, tu connais, nous vous battons Saint-Louis.
tout le temps. Confident. Il y a confident. Qui met un peu goal? Tu es facile pour score? Il y a facile, que tu vas voir même. Ok, alors, vous avez besoin de finir pour la première fois, qui m'a senti où? Mauvais content, mon content même. Content. Pour moi, je vous félicite pour mon joueur qui met sacrifice pour sa game. Et pour sa goal. Pour sa goal. Ça pour mon mettre pour mon équipe ça. Ya, félicitations pour Dynamo. Okay. Et vous avez ça la coupe là, content? Ya, mon content. Nous trois fois successifs pour aller finale. Il y en a deux petits. Et nous mettre la gant pour prendre sa coupe. Ça devient une troisième fois. Okay. Bon supporter Dynamo, zot ti vin espèz de l'équipe après match en dehors stade d'unité et célébration qui commence là même pour sa l'équipe normale. Entre-temps, Saint-Louis zot sans pour emporter au moins un titre sa saison et encore là, zot 4 points tête classement Ligue Première Division et zot aussi dans 8e finale la Coupe Fédération. Pour performance, pas un jour déjà présent, aussi pas à la hauteur, si tout nous considère des free kick. Si les mistakes nous fait après deuxième goal n'a pas l'organisation et tu veux me dire il y a un petit encouragement peut-être là pour l'équipe autres pourquoi finir sa saison autres dans autres 4 points entrer dans ligue autres dans sens grande ligue autres encore de parcours pour SFF mais nous pour retourner lundi nous pour tuer à cause de notre game important samedi et mon copain sentiment management. Avec la Coupe RTL, Dynamo est aussi qualifié compétition régionale l'Océan Indien, l'UFOA. Et si dans le football, nous connaissons les champions de premier tournoi knockout, par contre, dans le volleyball, c'est vendredi qui nous connaissons un bon vainqueur tournoi pour la Coupe Landmarine. Finale femme, première division pour entre Assou et Cascade. Justement, Cascade, c'est la dernière équipe pour qualifier hier après son victoire facile, le La Digue. Island Star. Cascade a remporté son groupe devant Palais, tandis que la Digue Island Star est fini deuxième derrière Assou de l'autre groupe. Cascade a remporté tous les deux rencontres dans la Ligue et ils ont aussi favori pour passer dans sa match semi-finale. Premier set pour commencer la Digue Island Star est capable de faire un des points lors de faute son opponent. 4-1, ils ont devant, mais dès que Cascade a égalisé 4 partout, c'est tout pour sa équipe Maï. La Cascade exploite bien la faiblesse de sa équipe Digua. Pareil, fait faute de réception. Et avec grandeur, pareil, Petra Richard et Katrina Sinon, devant l'honnête, Cascade tire sa l'avantage, qu'il soit de l'attaque ou bien le bloc. Plus près qu'il a dit, Island Star est resté avec Cascade, qui le score 8-10, mais après ça, Cascade est qu'il saute derrière. 23-12, il dit pour lui-même, si paraît facile là pour sa équipe Cascade, c'était le débloc qui t'y fait des derniers points pour sa équipe Maï. Dernière action, sa 7, Petra Richard, il arrête l'attaque, Begita Crispin, Cascade, il prend sa première 7, 25-12. Deuxième 7, encore Cascade, c'est l'équipe dominante, maintenant amélioration tout de même dans la performance de la Digue Island Star. Un des fois, Nathalie Agnès et compagnie sont capables de faire un des points qui bonnet de sa set type qui zot assez près avec zot opponent. Zot ti même devant le score jusqu'à 6-4. Mais encore, dès que Cascade ti passe devant, zot pas ti vide hier. Clairement, zot tient beaucoup plus d'options dans zot équipe que zot opponent. La banzo l'entraîneur Magloire ti allé pour ouvrir l'écart 17-9. Mais il faut le dire qu'il est la Digue qui est capable d'assister. D'autres qui fait bon quelque chose. Pareil, l'on attaque à ma Enesta. Même en action pareil, qui assera de sa 7. 18-24, qui plie près qu'il a Digue qui est arrivé avec Cascade. Qui finalement prend sa deuxième 7. 25-18. Troisième 7, qui encore presque même répétition. La Digue qui met un peu résistance bonheur pour les autres capables de rester égal avec les autres opponents. Mais pareil, dans les deux premiers sets, ça ne partit pas. Trop beaucoup de fois, il y a un manque de communication dans les autres jeux qui peut faire ça l'équipe Digua donne un bon point facile. C'est difficile aussi pour la Digue, Island Star, arrête Banzoué, pareil, Petra Richard et les autres qui font Cascade qui confortable dans sa set aussi. Même si Cascade est devant le point,
parfois autre chose pour quelque chose facile si tous autres services qui là tu donnes la digue Island Star en des points. Mais après l'avance 24 le 18, selon l'attaque Petra Richard qui cascade, il prend sa dernière set 25-18 pour victoire 3-7-0 qui met Zot dans la grande finale contre son grand rival Assou. Je ne viens pas de mettre ça qui est en pratique. Il y a une bonne stratégie, une bonne croisée. Si on voit le match déroulé dans une sens position, on peut tester les autres et dans différentes positions. Ça ne fait pas partie de notre training et plan de jeu que nous venons avec en préparation pour la finale. C'est moi qui nous parle pour la finale, nous venons participer et nous avons gagné la coupe finale. C'est pour ça que nous avons bien joué. C'est ça un petit peu de spirit dans l'équipe. L'équipe femme la digue pas incapable de qualifier finale. Par contre, les autres équipes hommes incapables de faire ça. Oui, la digue Amigo est de son premier final Mazer que les autres pour rencontrer Champion League Swim Blue Pulse. Pour qualifier finale, la digue Amigo parti gagner une grande difficulté pour éliminer Assou Boys. La digue Amigo t'in s'y prend beaucoup pour arriver à sa distance de sa tournoi, mais il faut le dire, ils ont mérité leur victoire au beau vallon et après faire l'essentiel, gagner 2-7 le premium Spikers pour être qualifié semi-finale. Donc, partie devrait être un problème pour sa équipe envers deux autres matchs contre Assou Boys, l'équipe qui finit dernier de la ligue sa saison. Avec seulement 7 joueurs, premier set tient un vrai désappointement pour Assou Boys. La digue t'y bien profité, autres blocs t'y fait bien marché. En plus, Assou Boys pas capable, arrête Sarel Léon. Beaucoup fois, t'y fait 10 tours à l'équipe Maï de sa première set. 19-3, Assou Boys t'y seulement capable de faire encore 3 points, mais pas t'y tarder pour la digue, mais t'y la fin avec sa première set. L'autre attaque à con, autres prend sa haine, 25-6. Assou Boys t'y refait dans le deuxième set, que autres t'y capable de donner plus bonne performance. Il faudrait dire aussi que qualité de jeu, la digue, tu ne tombes pas, bonnet dans sa deuxième set, qui te laisse Daniel Aramé et compagnie passer devant 9-5 et après ouvrir l'écart 15-11. C'était là que la digue était capable de retourner dans le jeu et c'était ça l'équipe en vert qui était devant le deuxième tambour technique 16-15. Depuis là, pas de grand problème pour Banjo l'entraîner Casimir, 22-17, 23-20. Même si Assou Boys était capable de réduire le score 21-23, c'était le service Ryan Morel qui l'a dit Amigo, il prend sa deuxième set 25-21 pour l'avantage de 7-0. Commencement troisième set, petit tout pour son équipe Assou Boys, d'autres types bien réussi dans d'autres jeux. En plus, les Ladigues, ils donnent aux autres bonnes points faciles, d'autres types profiter. Cette loin score ti bien dans l'avantage à l'équipe Maé, où tu as croisé tu es capable de remporter sa troisième set pour faire sa match bien plus intéressant. Mais après ça, tout retourne encore en faveur de la digue qui montait pour égaliser et même passe devant 8-7. Et après ça, l'avantage ti vient 15-8. La fatigue ti commence à affecter la qualité de jeu à Assou Boys. Et là, la digue ti allait pour prendre l'avance jusqu'à 20-11. Sans manger, tu as après affecté juste à l'équipe d'Igua, c'est une opportunité pour Assou Boys remonter et même coster jusqu'à 18-22 et après 19-23. Mais parti pour longtemps, c'était le service Enrico Ernesta qui mettait la fin avec sa match 25-19 de sa troisième set et victoire 3-0 qui mettait la digue Amigo de son premier grand final contre l'Azo Cousin Swim Blue Pass. Mais c'est mon match lui-même, quand nous gagnons, nous ne sommes pas trop satisfaits à cause. Léo Guette depuis là, nous venons de knockout, nous venons de bon élan, nous venons avec bonne motivation, mais c'est moi aujourd'hui, pas trop, nous ne pas trop démontrer ça qui nous a envie. La guette de finale, la guette de comment nous faire. C'est vraiment une finale qui vous avez vendredi. Qui m'a tout poussé à rendre ça aux autres? Exactement, quand on nomme ça, à cause, il y a problème pour nous. C'est tout pour nous sortir la digue, pour nous déplacer, à cause de bonne la plupart, aux autres travail, est difficile pour nous arranger les conditions de travail. Même pour nous, venir jouer là, de samedi, il est difficile, nous avons besoin de venir là. Mais c'est un temps avant les matchs pour nous capables de jouer. Nous ne connaissons que nous puissions être en discussion avec la Fédération Aguete. Nous connaissons pour dire un problème à ma corde et nous avons envie de media coverage. Nous ne connaissons pas comment nous pouvons faire pour sa finale, mais seulement nous nous contentons assis au moins. Et la Coupe en Europe, nous premier l'année de la première division, nous gagnons.
et la Coupe en Europe pour knockout. Toujours quelque chose, non? Une motivation l'année prochaine. Et dans nos prochains bulletins, nous prenons encore reportage volleyball, le bon semi-finale 2e division. Et justement, pareil, mardi, bonne finale pour jouer Savoie-Dirty, Palais des Sports. 5-1 quart, et pour les deux finales femmes, première division, et à Sou contre Cascade. Et après, finale femmes, 2e division, premier et 2e sa saison, Breakaway contre Pralin Island Pearl. Ça des matchs poursuivre par les deux finales hommes, c'était du soir. Pour les hommes première division, finale, ils Swim Blue Pals contre la Diga Amigo. Et finale, les hommes deuxième division, Tonio, pour joindre l'équipe Grand Anse Pralin Boys. Eh bien, volleyball, nous aussi amène nous la fin de nouvelle sport pour aujourd'hui. Merci beaucoup de nous suivre. Pas oublier de nous encore demain.